le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pourquoi la guerre des biens? Oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Bébé. Oui, mon cœur. Et tu es ce que la nature m'a offert de plus cher. Oh, merci, trésor. Et toi, tu es la meilleure des choses qui me soient arrivées. Tu es tout pour moi, bébé. Merci. Wow! Quel joli couple. Merci. Merci. Vous formez un couple impeccable. On dirait Osiris et Isis. Et qui sont-ils? Le plus grand couple africain que l'humanité n'a jamais connu. Roméo et Juliette, c'est rien. Tu sais beaucoup de choses, j'en suis conscient. Dis-moi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Oh, tu sais, j'aime les balades. Et je vais passer par là. Alors, est-ce que je peux vous faire un souvenir? Bien sûr. Sans problème. Ça, c'est une sortie mémorable. La technologie fait les merveilles. 18 mégapixels. Eh bien, je passe vous remettre les photos demain au bureau, monsieur. D'accord, il n'y a pas de problème. Madame, vous êtes très jolie. On dirait une reine. Ah, merci. En tout cas, bonne soirée. Bye bye. Elle est étudiante, peut-être que c'est pour ses recherches personnelles. Une étudiante? Oui. Je la connais très bien, c'est la sœur à un ami. Mais elle n'a pas l'allure. Oh, bébé, tu sais, aujourd'hui, les étudiants avec leur accoutrement se confondent aux prostituées. Bon, donc c'est comme ça. C'est la mode. Qu'est-ce que tu veux? Ah, vraiment. Mon amour. Oui. Je suis la plus heureuse des femmes de t'avoir pour époux. Franchement. Si tu pouvais m'accorder le temps de gérer d'abord la situation de mon petit frère, sa santé, ça m'arrangerait. Tu as tout ton temps. Mais ce n'est pas toi qui sois ni guéri. Je suis navrée. Non, tu ne dois pas l'être. Je ne suis pas un passant ici. Tu connais comment on appelle ce que tu es en train de faire là? Non, grand-mère. Renseigne-moi. On appelle ça que quoi? On appelle ça le harcèlement sexuel. Harcèlement sexuel? Tu as l'intention de me rayer? Non.
Pas du tout. Je voudrais simplement que tu me laisses toute seule. D'accord. Je te laisse toute seule gérer ta situation précaire. Oh. Je te serai vraiment reconnaissante si tu respectes tes engagements. Non. Je suis persuadée. Je vais le respecter. Tu diras à Tatsinga que je suis vraiment désolée d'avoir pris la décision de ne plus recevoir les visites spontanées jusqu'au retour de mon petit frère de l'Europe. Ok. Je vais le lui dire. Ok. Passe une bonne journée. Merci. Au revoir. Notre projet a enfin vu le jour. Comment? Le gouvernement nous a alloué une somme de 500 millions de francs CFA pour le dit projet. Je comprends la guerre qui t'oppose à Loris. C'est Loris qui fait la guerre. Moi, je veux travailler. Je veux que notre projet aille, elle aussi, de l'avant. Que nous réalisons des projets porteurs. Moi, j'ai déjà mes propres revenus en tant qu'avocate. Loris, elle est quoi? Calmez-vous. On va tout arranger. Mais sinon, avec cet argent-ci là, le sang risque de couler. Tant pis pour ceux qui vivent la convoitise. Ce projet ne se fera pas sans moi. À moins que j'aie démissionné ou que je sois décédée. Je n'ai pas trop fait les bons. Donc, quand vous commencez vos expressions là, je m'éclipse tout doucement. C'est vrai que je te trouve très calme. À moins que tu fasses semblant devant nous. Mais j'ai envie de t'intégrer dans le comité de pilotage. Je suis à votre disposition. J'ai été ravie de discuter avec toi. Mais j'ai un procès très urgent et je dois retourner au parquet. Mademoiselle, tu n'as pas de leçon à me donner, hein? Hey. Si tu ne respectes pas les règles d'hygiène, fais-le chez toi et non dans la rue. Fia! Hein? Hey! Tu ne m'impressionnes pas du tout. Hein? Ton temps, qu'est-ce que tu veux faire voir aux gens? Tu ignores sale chose. C'est ma nature. Et on m'aime avec. Qui t'aime? Ton petit charme que tu utilises là. Ton petit charme que tu utilises là, où est ta part? Je n'en ai pas besoin. C'est justement pour ça que tu n'as pas largué pour me solliciter. Tu te vantes de sortir avec un homme marié? Il ne manquait plus que ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu voulais auprès de lui? Laisse-moi te dire que sa femme est au courant et sa famille même. Je m'en fiche. Laisse-moi plutôt acheter mes oranges. Ne fais pas comme si c'était un prestige. J'en ai déjà acheté. Imbécile. Sale chose. Connasse. Marie-Thérèse, tu n'y peux rien. On va voter une autre présidente. Depuis quand est-ce que les avocats étaient justes? Ne défendent-ils pas un criminel avéré malgré les preuves tangibles? Loris, c'est parce que toi-même tu as mis l'œil sur l'argent. Attends, de quoi je me mêle? Tu permets à Marie-Thérèse de jouer sur les gens comme ça? Si tu n'as rien de constructif à dire, ma chérie, tais-toi. Dis-moi, le premier jour que la réunion s'est tenue ici, est-ce que tu y étais? Non. Et? Demande-toi pourquoi aucune de ces femmes n'est d'accord avec toi. C'est parce qu'elles savent que tu as tort. Ne sont-elles pas tes copines? C'est parce qu'elles sont bêtes. Qui a tort? J'ai pas tort, Marie-Thérèse. Marie-Thérèse, ne viens pas ici avec ton gros titre d'avocat pour éblouir les gens. Je ne marche pas dans ça.
Tu comprends? Françoise, excuse-nous une minute, je t'en prie. Tu ne vois pas que la lutte là te dépasse? Qu'est-ce qui me dépasse là-dedans? Ça se voit toujours que tu ne me connais pas bien, Marie-Thérèse. On n'a même pas encore commencé. Ne parle pas fort. Est-ce que tu as déjà monté un projet un jour dans ta vie? Non, et? Si on a financé ce projet, c'est parce que je l'ai monté. Toute seule. Maintenant, je te comprends très bien. Marie-Thérèse, parce que tu as monté ce projet toute seule, tu veux aussi manger cet argent toute seule, pas vrai? C'est de l'argent à investir et non pour prendre. C'est ça. Le gouvernement m'attend avec un rapport. Je ne voudrais pas être imperviable. Vous dites toujours ça. Alors, je dois tenir les manettes moi-même pour me rassurer que tout marche. Tu ne dis rien. Je ne marche pas dans ça. Non, Marie-Thérèse. Je te connais bien. Alors là, tu ne me peux pas. Arrête avec ton agitation stérile. Ah bon, stérile? Apparemment, tu aimes bien ce mot stérile. D'ailleurs, il te va très bien. C'est pas moi la stérile ici. Ma co-épouse est maintenant engagée dans une nouvelle association. Femme Lumière. Oui, Femme Lumière. J'espère que leur lumière là n'est pas pour séduire les maris des gens. Je sens comment tu as peur. Peur de quoi? Adeline est venue s'embrouiller. N'est-elle pas partie? Je crois aux enseignements du grand maître. Désirez et faire ce que vous avez à faire maintenant. Bravo, Natacha. Tu as vraiment retenu la leçon. Maintenant, c'est mettre en pratique qui est le plus difficile. Il y a un candidaton qui est près de toi. Il faut s'en défaire le plus tôt possible. Quand je vois ma co-épouse courir dans des associations, c'est parce qu'elle veut fuir les candidatons. Hier, quand elle utilisait son argent pour rendre notre mari captif, elle ne prévoyait pas qu'Alexis connaîtrait une percée financière. Aujourd'hui, ce n'est pas facile de supporter la réalité. Quand je me rappelle qu'Alexis pouvait faire 3 mois sans m'appeler chérie, mais aujourd'hui, c'est elle qui le harcèle. La polygamie, comme disait quelqu'un, ma chérie, c'est une entreprise bâtie sur des fausses fondations. Et c'est pour cela qu'elle ne peut rien produire de bon. Rien. C'est ce que je veux. Je veux bien, mais c'est très très difficile. C'est vraiment difficile que ça? Comme vous le dites. Écoutez, je n'ai jamais versé de sang. Et même s'il le faut. Faites-le au moins une fois dans la vie. Faites-le exceptionnellement pour moi. Vous ne comprenez pas. Je n'ai jamais gorgé un coq. Amine, tu sais, dans la vie, quand on exerce un métier, on s'arrange à évoluer. Tu as commencé par de petites désobéissances familiales, n'est-ce pas? Ensuite, tu as fait une fugue, n'est-ce pas? Tu sais, Aminou, ne vois-tu pas que tuer est la prochaine étape pour toi, pour confirmer ta puissance? Vous n'avez pas tort. Vas-y. Fais-le. Et ton compte bancaire sera ouvert. Tu n'auras plus qu'à... Tu vois ce que je veux dire? Tu
qui a créé le ciel et la terre et dit aimez-vous les uns les autres. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous me remarquez? Non, pas du tout. Photographe au jardin public. Ah, maintenant que vous me donnez votre référence, que puis-je faire pour vous? Rien du tout, c'est juste que je vous ai vu et je me suis dit intérieurement, il faut que je vous dise bonsoir. Ah, merci, bonsoir. Apparemment, votre mari vous aime bien. Mais il vous trompe. Il y a une certaine fille, une certaine gombok, une fille bassa, avec qui votre mari entretient une relation. Et elle est même enceinte de lui. Déjà, est-ce que ce que tu me dis est vrai? Et même si c'était vrai, est-ce que c'est utile? Et même si c'était utile, qui t'a mandaté? Moi, je voulais que aider. En tout cas, c'est bien fait pour toi. Le photographe m'a abordé tout à l'heure, me parlant de ta relation avec Gombok. Et elle avait l'air de se plaindre. Le soi-disant photographe est une demoiselle qui dérange beaucoup. Cette fille était venue au bureau au départ sous prétexte qu'elle venait chercher l'emploi. Mais après, j'ai constaté qu'elle était là pour autre chose. Si je n'avais pas été un homme averti, je l'aurais enrôlée. Elle veut se venger alors? Est-ce que c'est la première fois qu'elle se venge? Elle a failli déchirer le ventre de Gombok avec une bouteille cassée. Jusque-là? Ah oui. Cette fille est capable de tout. Quand Gombok n'était qu'à 2 semaines de retard. Hé! Cette fille est méchante. Ma chérie, il faut faire très attention. Fais attention à cette fille. Alors, si elle vient vers toi, il faut être très très maligne. Parce qu'elle est prête à tout. J'ai compris, chérie. Ok. Je me disais que tu n'étais plus ici. Il me revient la surprise. C'est vrai, tu as raison. Nous nous sommes vraiment manqués. Mais je suis au courant de tout ce qui se passe. Mais je veux te dire, sois calme. Je sais que tout va aller bien. Ma sœur, tu n'es pas au courant de tout. Il y a encore des choses que tu dois savoir. Des choses horribles? Des choses horribles. Vraiment horribles. Déjà, Mundia me dit que si mon mari rentre au pays, tout ce que nous avons fait sera exposé au grand jour. Et ce n'est pas tout. Non. Et ce qui est marrant dans l'histoire est que ma belle famille a décidé que mon mari rentre au pays. Tu vois dans quelle histoire je me trouve? Ça donne vraiment de l'effroi. Car cela ne tient. Reste consciente. Comme tu le sais, au point où il en est, on ne peut pas espérer à une guérison. Il va mourir, Mirabel. Avec deux forces qui se bagarrent en lui, c'est insupportable. Mais écoute bien mes conseils. Les documents, tous les biens de ton mari, il ne faut pas blaguer avec. Tu es sans ignorer que ton enfant est une fille. Et ta belle famille va te mettre dehors. Avec les histoires de succession, d'héritier et tout ça là. Donc écoute mes conseils et mets-le en pratique, Mirabel. Ça là, j'y ai pensé bien avant. Ah, ok. J'ai mis de côté tout ce que je peux. Merci d'avance. Mais il y a quelque chose. Parfois, je regrette d'être allée chez les marabouts.
Mais c'était aller ou pas. Ma coépouse y était déjà. J'ai seulement endurci mon cœur. Hé, hey, ma soeur, calme-toi. La vie est ainsi faite, Mirabel. À l'impossible, nul n'est tenu. Hein? Bon, ma soeur, je te souhaite bonne continuité. Courage. Merci, ma soeur. Considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre pour pas la guerre des biens. Pour pas la guerre des biens. Oh yo yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens, oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'importe rien. Vanité de vanité. L'être humain a plus de considération pour le matériel que pour son prochain. Alors que nous sommes tous de passage sur terre, pourquoi la guerre des biens? Pourquoi la guerre des biens? Oh yo yo! Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, vanité de vanité, tout est vanité. Pour la guerre des biens, oh, yo, yo. Les hommes s'entretuent pour le matériel. Pourtant quand on part, on n'apporte rien. Vanité de vanité, vanité.